Hey, bienvenue à tous dans ce quatrième épisode de Casus Belli. Alors, on vient de gagner la guerre, donc on a pris deux comtés pendant l'épisode précédent. Et maintenant, on va voir ce qu'on fait. Alors, là, le truc, c'est que on devient majoritaire dans le duché de Bretagne. Alors, tout ça, ce sont les titres qui appartiennent au duché de Bretagne. Et maintenant, une fois qu'on sera vassal de notre roi et non plus d'un autre duc, on va pouvoir créer le duché de Bretagne. Alors, on va le chercher ici. Hop, et pour le créer, il faut qu'on possède plus de 51% de ses comtés, donc c'est le cas, on en possède 4 sur 6. Et par contre, il nous faut 186, 197 pièces d'or, et ça, on en est un peu loin. Et c'est impossible de créer ou d'usurper un titre de même rang ou de rang supérieur à celui de votre seigneur. Donc c'est pour ça que là où on est sous un duc, du coup on ne peut pas créer de duché. Il faut qu'on soit sous le roi pour pouvoir créer un duché. Alors on a perdu un membre du conseil. Je sais pas, il a dû mourir de vieillesse. Alors on va chercher un intendant. 10. Allez hop, pourquoi pas. C'est pas ouf. Mais de toute façon, c'est pas comme si on avait le choix. Du coup là, on va baisser les troupes. Hop. Et on va attendre que ça se recharge et on va faire notre guerre d'indépendance parce qu'on en a gros. Et avec un peu... Ah, on gagne pas beaucoup, hein. Quoique c'est parce que j'avais les troupes levées. Quand on lève les troupes, ça nous demande plus... Enfin, en gros, il faut les payer. Et du coup, ça nous demande plus d'argent en maintenance par mois. Donc, le comte Lothar de Nantes... Ah, une fille! Une fille qui a aucune caractéristique bien bien folle. Bon, on va lui faire faire de l'intendance aussi. Et on va l'appeler Guenièvre. Hop, d'accord. Et d'ailleurs, on va voir si on peut pas la marier à un seigneur du coin qui pourrait nous... Ah! La duchesse de Flandre. Ah, mais elle-même, elle me déteste. Elle, du coup, elle voudra jamais se marier avec mes enfants. Même avec mon héritier. Et non, parce qu'elle veut un mariage matrilinéaire, parce que justement, c'est ce que j'expliquais dans la première vidéo. Elle, si elle se marie normalement avec quelqu'un d'autre, ses enfants seront de la dynastie de l'homme. Alors que si on fait un mariage matrilinéaire, justement, ça sera de la dynastie de la mère. Et du coup, moi, ça m'intéresse pas, à part pour faire une alliance. Alors toi, là, qui as 6 ans et qui est beau, est-ce que tu veux te marier avec... Enfin, te fiancer pour l'instant avec ma fille Guenièvre. Oui, tu veux. C'est fabuleux. Hop, on envoie la demande. C'est bien parce que les filles, c'est un petit peu de la marchandise dans ce jeu. Ok, il veut bien. Super. Est-ce qu'il veut forger une alliance? Oui. Donc, on aura peut-être un allié pour la guerre d'indépendance. On va voir ça de suite. Si je déclare la guerre. Non, il viendrait pas. C'est terrible. Bon ben, c'est un petit peu la déception. Le savoir est une arme, le complot est révélé. Allez, on va faire ça. Hop, et ce qu'on va faire aussi, c'est que on va arrêter d'espionner celui-là et on va espionner notre seigneur. Parce qu'avec un peu de chance, on aura des actions sympas disponibles sur lui. Hop, allons-y. Ok, donc on se demande quel secret il cache et on va essayer de, voilà, de comploter. Ensuite, on peut nommer un titre. Physicien de la cour. Ouais, mais bon, on n'a toujours pas trouvé notre physicien. Alors, il nous invite à son banquet. Plutôt mourir, parce que clairement, on mange pas avec les bâtards. En plus, on le calomnie. Il aime se vêtir comme une femme. Avec un peu de chance, on pourra le tuer et ainsi affaiblir. Ah, une épidémie. J'espère que ça va pas monter jusqu'à nous. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de bouger. Ok. J'ai appris par mes petits oiseaux que Duc Robert prévoit de voyager incognito dans le royaume au nom de l'aventure, se mêlant aux petites gens à sa guise. Il sera uniquement protégé par deux de ses amis loyaux pendant son escapade. Une opportunité parfaite pour organiser son avènement, si tel est mon désir. Donc on va clairement le faire. Alors, la petite combine, ça va être, on va lui déclarer la guerre. On lui déclare la guerre et on dépense 5 d'or pour avoir une chance de l'emprisonner. Si on arrive à l'emprisonner... Le score de guerre arrivera automatiquement à 100 vu que il sera obligé de se rendre. Alors, déjà on lui déclare la guerre. Même si on est à
956 et lui, il a 747. Ok, on va l'éclater. Il a aucun allié. Moi, j'ai peut-être le duché d'Aquitaine qui vient en soutien. Du coup, on lui déclare la guerre. Hop. Et on tente de l'emprisonner pour 5 d'or. Ah, les malfrats que j'ai embauchés ont échoué. Tant pis, c'est pas très grave. Et par contre, on fait appel à notre allié, le duc d'Aquitaine, qui va venir avec toute son armée, on l'espère, pour le fumer. Ok, donc il est là. Nous, on rassemble nos troupes. Ok, donc là, c'est la guerre d'indépendance. Sachant que ça servira pas à grand-chose si notre roi nous renvoie directement sous le contrôle. Ok, donc on a notre allié qui répond à notre appel à la guerre, c'est fabuleux. Et là, on va chez lui pour le fumer. Alors, notre allié qui laisse ses troupes. Alors là, on a la possibilité d'aller plus avant dans les revendications. Pour 41 d'or. Alors, on va pas le faire. On va pas le faire maintenant parce qu'on a besoin vraiment d'or, de 187 d'or pour former le duché et ensuite être tranquille. Donc on laisse tomber, en plus ça nous fait gagner de la piété. On va mettre des... Ah! Ah! Cavalerie plus 34, ils ont progressé nos commandants. Ils ont gagné des bonus. Alors celui-là est plus fort avec la cavalerie et celui-là est plus fort pour le maintien du moral. Tac! Donc là, il est en train de rassembler ses troupes et de venir nous aider. On va essayer de prendre la bataille à deux. Ou alors, on va l'attendre de ce côté de la rivière. Comme ça, avec un peu de chance, il sera idiot. Alors, en plus, on va informer notre seigneur qu'il raconte des mensonges révoltants à propos de lui. Tac, Karl est au courant désormais. Et on va voir où est-ce qu'il va. Ok, ce qu'on ne ferait pas pour la stabilité du royaume. Alors, s'il nous attaque, il est vraiment pas très intelligent. Je pense qu'il va aller à Chartres. Ok, donc là, il ne bouge pas. De Évreux à Chartres, est-ce qu'il y a un fleuve? Oui, il y a un fleuve. Ok, donc il va à Paris. Nous, on se rapproche. Alors, Paris et Chartres, il y a un fleuve. Voilà, on se rapproche. On va essayer de l'empêcher de passer comme ça, histoire d'attendre nos alliés. Je crois qu'il va retourner chez lui. Là, il va en Champagne le 9 septembre. Nous, on va le suivre. Je vois qu'en prenant de l'âge, Caradoc pourrait mettre à profit mon expertise dans certains domaines. La tâche sera ardue et ingrate, mais ma seule opportunité de donner de ma personne pour Caradoc. Alors, soit on lui donne le trait ambition, par contre, il devient notre rival, c'est-à-dire qu'il a moins 100. Donc, il est déjà à moins 17. Je pense qu'on va faire ça parce qu'on s'en fout qu'il nous aime, on veut juste qu'il soit fort. Ensuite, soit il obtient le trait diligence, c'est-à-dire qu'il travaille. Donc, il s'astreint à travailler dans chaque domaine, il gagnerait que plus 1, mais nous on deviendrait anxieux. Et donc, santé moins 1, ça me plaît pas du tout. Soit on perd moins 2 temporairement dans toutes nos caractéristiques, sauf le martial, et il devient patient. Donc, patient c'est pas mal, mais ça vaut tout de même pas fort. Soit on fait rien. Allez, il devient notre rival, de toute façon on s'en fout, il essaiera sûrement de nous buter. C'est pas très grave. Et pour l'instant, on va suivre. Ah, donc là, nos alliés arrivent. On va le suivre chez lui. Et là, peu importe là. Ah, on se mange une armée de. Bon, c'est pas grave. En gros, dans le royaume, il y a une révolte. Donc, apparemment, le duc de Toulouse est pas très content. Ah, c'est peut-être pas le duc de Toulouse, le chef. Si, si, c'est lui. Il se révolte. Ok, bah, tant mieux pour lui. Bah, en plus, on vient d'aider notre roi Karl. Hop, ça c'est fait. Et donc, on va aller le chercher chez lui là. Et là, il n'y a rien qui va pouvoir le sauver. Sauf si mon Lothar meurt maintenant, et là, ça serait la catastrophe. Donc là, on le poursuit. Il part le 10 novembre, et nous, on arrive le 12. On va le poursuivre à Louz. Alors, Louz, est-ce qu'il y a... Il y a un fleuve, mais nos alliés vont sûrement venir avec nous. Ils n'ont pas l'air de vouloir bouger. Bon, on va voir. Non, est-ce qu'on prend le risque? Est-ce qu'on prend le risque? Lose. Non, on va pas prendre le risque. On va aller à Bréda d'abord. On va aller à Bréda. Et voilà, on va faire le tour pour pas se prendre un fleuve. Tac, et on l'éclate. Voilà, surtout que nos alliés viennent pas. Je pense qu'on a frôlé la catastrophe. Et du coup, on va choisir un intérêt. Donc le Martial. Hop. Ah, Perceval a des meilleures stats. Est-ce que Perceval a des meilleures stats? Non, clairement pas. Ok. Ok. On va à Liège.
On prend le siège et on devient bientôt indépendant, sachant qu'on gagne pas vraiment d'argent là. Voilà, le siège se poursuit. Victoire, c'est une, ça doit être. Ah si, c'est une victoire de là. 44%. On continue le siège, donc là on assiège l'évêché. Pendant ce temps, notre maître espion qui continue à faire du bon boulot. Ok, on va monter l'infrastructure noble. Ça nous va nous permettre de créer des casernes dans nos bâtiments. Pendant ce temps, il essaye d'assiéger chez moi, mais il n'y arrive pas. Il est nul ce seigneur. Allez hop, je regarde, c'est bon. L'épidémie n'a pas beaucoup évolué. Ok, on a assiégé tout chez lui, on a 91%. On va assiéger sa deuxième maison. Ça va relativement vite. Alors, Caradoc a terminé sa formation en stratégie militaire. Je remarque avec fierté qu'il atteint un remarquable niveau de connaissance. Parfait. Brillant stratège. Ah, mais c'est fabuleux ça. Ah, ok, ça va être un killer. Ok, lui, il aura peur de rien. Tac. Et on va le marier. On va le marier à une génie de préférence. Voilà, 6 ans. Pas très grave ça. Pas très grave parce que ça sera un fiançailles et quand elle aura 16 ans, ils pourront se marier. Alors, alors est-ce qu'il y a des 8 ans pour la vivacité? Pff. Commandant du centre. Ah, mais c'est un bon guerrier en plus. Un très bon guerrier. Bon, on s'en fout. Il attendra 10 ans pour pouvoir faire des bébés. Allez hop! Mais bon, si ça permet d'avoir des héritiers génies, on prend le risque. Donc héritier non marié, c'est bon. Embaucher un physicien de cour, on y va. Tac. Et on continue le siège. Donc on a réussi l'ambition visant à préparer la succession. Notre héritier principal a atteint ses 16 ans et maintenant on veut. Que veut-on faire? On veut acquérir un titre, pourquoi pas. Quoique notre roi nous donnera jamais de titre. Allez. Allez. Hop. On veut quand même acquérir un titre parce que ça marchera. Enfin, on réalisera l'ambition si on envahit un des deux là. Tac. D'accord. Parfait. Il a accepté le fiançailles. Ok. Alors, un envoyé de la cité Saint-Brieuc vous a parlé de Yarnkant. Un jeune homme, ok, donc il est physicien réputé, mais il a que 7 d'érudition. Oh là là, mais c'est impossible de trouver un bon médecin à cet ancien, hein? Il a réussi à sauver la vie des filles d'un important négociant il y a peu. Apparemment, elle n'a perdu qu'un œil de l'opération. Ah oh bah ça va alors. Oui, mais non. Allez hop, suivant. Donc on est à 91% de score de guerre. En assiégeant son dernier château, je pense que on monterait jusqu'à 100. Donc on a encore une alliance entre le roi et. Enfin, notre roi est le roi de Lombardie. C'est cool. Tac, 100%, appuie les revendications. Maintenant, tu n'es plus mon seigneur. Et je peux créer le titre de duché de Bretagne, mais seulement quand j'aurai de la thune. Alors, tac, tac, on baisse l'ost. Et là, vraiment, on attend. On attend d'avoir assez d'argent pour créer le duché. Alors là, la question c'est est-ce qu'on assassine sans scrupule nos enfants? Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce qu'on attend un petit peu? Parce que s'il vit longtemps, il aura un malus avec tout le monde pendant énormément de temps. En plus, il sera intuable par complot, vu qu'on a 31. Bon, en gagnant 3,75 par mois, on devrait arriver vite à 195. Et là, ça nous permettrait de voir venir. Visiblement, Ragambald, le maître espion de Duc Ado de Franconie, se trouve à Nantes pour enquêter sur des rumeurs de complot. Ah! Ah, ben ça sert plus à rien de vouloir buter lui, du coup. Du coup, on s'en fout qu'il enquête sur le complot, vu qu'on en a plus. Allez hop! Peut-être faudrait-il le réduire au silence. Allez, on tente, hein. On s'en fout, nous. C'est pas le mec avec séance d'intrigue qui va nous faire peur, hein. Ok. D'espionner le duc ne donne pas grand-chose. Non, je sais qu'il cache quelque chose. Ouh là 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 là. Ouh là là. Bien que vous ne puissiez pas mettre le doigt sur ce qui ne va pas, vous ne vous sentez pas bien. Malaise.
Ok. Alors ça, c'est le premier symptôme de potentiellement une longue série. Potentiellement de la mort. Ok. Alors là, je propose qu'on emprisonne. Alors voilà, là, on a seulement 84% de chance. Enfin, seulement. Alors, il se pourrait qu'il s'échappe, donc il aille dans une autre cour à perpète, et que il sorte de notre, enfin, qu'on ne puisse plus rien faire pour lui, parce qu'on peut pas créer un complot direct pour assassiner un de ses enfants. Voilà. C'est vraiment en matière d'assassinat la seule chose que ce jeu refuse, quoi. On peut assassiner ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants si on vit assez longtemps, mais pas ses enfants. Bon ben. Perceval, Bohort et Quasimodo, je crois que c'est l'heure est venue. Oh là 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 là, Perceval s'est enfui. Perceval s'est enfui. C'est terrible. C'est terrible. Là 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 fumier de Perceval. Bon, Bohort. Bohort, tu sais que tu as toujours été mon préféré. Ha! Bohort attend la mort de mon cachot. Ok, il va pas l'attendre longtemps. Exécution, on perd 20 en piété, on s'en fout. De toute façon, on est déjà un assassin. Maintenant, tout le monde nous déteste. On n'a pas peur. Lapidé à mort sur ordre de Comte Lothar. Ok, très bien. Et maintenant, Quasimodo. Quasimodo. Quasimodo qui attend la mort dans mon cachot, il va pas attendre longtemps. Exécuté. Ok, tout le monde nous déteste, c'est super. Alors celui-là, ce Perceval-là qui s'est enfui, putain. Ah là 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 là. Du coup, il va hériter quand même de la moitié, du coup il aura 2 duchés sur 4. Avec un peu de chance, quand on jouera Caradoc, on lui lattera la tronche. Allez hop, donc on continue. Tout le monde nous déteste. Alors là, si je regarde un petit peu l'opinion que mes vassaux ont sur moi, moins 100, moins 100, moins 100, mais c'est pas grave, c'est pour le bien de la dynastie. Vous devez rester au libre, vous ressentez des douleurs et des refroidissements, vous avez contracté la grippe. Et bien sûr, on n'a toujours pas de physicien de cours. Putain. Et du coup, la grippe, moins 2 de santé. Oh là 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 là. 65% d'une maladie ordinaire, 20% d'une maladie bénigne et 10% d'une maladie grave. 5% devient alité. Ok. Apparemment rien. Donc là on attend vraiment. Là c'est la course contre la montre. À tout moment, il pourrait mourir. 201 pièces d'or. Ok. N'est plus intendant. Ok. Alors soit c'est parce qu'il veut plus bosser pour nous, soit c'est. Ah, celui-là est fort. Celui-là est fort. Peut-être qu'on est notre fils en fait, j'en sais rien. Qui est le vassal? Non, un vassal qui est un génie. Alors lui, il est fort comment en intendance? Alors lui, on va le changer, on va le mettre en intendance. Quoique nous, on s'en fout, c'est une merde. Tac! Notre fils, on le met en maréchal. Et en intendant, on va mettre Gurmael. Tac. Et percevoir l'impôt dans la capitale. Ok. Une grande caravane marchande venue de loin se présente aux portes de votre forteresse. Leur chef, un homme jovial et corpulent, vous implore avec un étrange accent de bien vouloir lui offrir, ainsi qu'à son compagnon, un abri pour la nuit. Ok, très bien, les laisser entrer. Pourquoi pas. Le soir venu, le gros marchand s'assoit près du feu et vous régale, vous et le reste de la cour, de récits de voyage. Son appétit semble insatiable, mais comme vous ne voulez pas paraître pour un autre pauvre, vous ordonnez à vos serviteurs de lui apporter un second service. Ok, du moment que je paye pas. L'aube se lève et la caravane prépare son départ. Le marchand insiste pour vous faire un cadeau en remerciement de votre grande hospitalité. Dans une langue étrangère, il crie brusquement un ordre et un jeune homme s'approche. Cet eunuque va bien vous servir, dit-il. Sa loyauté envers vous, son nouveau maître sera absolue. Ok. Ah! Beaucoup d'intendance! Eh bien, bienvenue, Cuseuil. Mandé, Ouest-Africain. Eunuque, fertilité moins 5 000. Ah, c'est sûr que ça aide pas, hein. Ok, on accepte le cadeau et on a. On a notre nouvel intendant, on dirait, hein. Tac, en plus il nous adore. Enfin, 57, après. Ouais, c'est pas mal. Alors, on sait qu'il cache quelque chose.
Allez, on veut vraiment arriver à 200 pour créer le duché de Bretagne. Alors, j'ai promis à ma femme Alpaïde de lui trouver une monture décente. Alors là, on va pas dépenser le moindre sou pour elle, sachant qu'elle nous déteste vu qu'on a tué ses enfants, ce qui est totalement normal, hein, et que en plus, on économise pour absolument créer le titre de duché de Bretagne avant de se faire assassiner ou avant de mourir de la grippe. C'est primordial. Allez, allez. On gagne 2 par mois, on peut toujours pas embaucher de physicien de la cour. En plus, ça va coûter de l'argent d'embaucher un physicien. Là, on commence à avoir une bonne armée. Des doigts de Saint-Jean-Baptiste, une boîte de 10 à prix spécial. Un évêque attire votre attention sur le fait que de fausses reliques se vendent pour des sommes importantes. Son commerce est très lucratif et génère des impôts, mais il n'en restera moins, pas moins immoral et blasphématoire. Alors, il faut arrêter ces criminels, laissons-les en paix. Nous allons faire la même chose. Nous, alors, en faisant ça, on gagnerait 6 d'or. On obtiendrait le trait avarice qui nous permet d'avoir plus d'impôts mais moins de diplomatie. Et une épagnon de la part des vassaux religieux de moins 10. Alors on fait clairement ça parce que tous nos vassaux nous détestent. Et ça nous fait gagner de l'or surtout. Et surtout qu'on gagnera plus d'or des impôts. Du coup, on arrivera plus vite au duché de Bretagne. Oh non! Oh là 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 là! Ah, on est passé à ça. Ah, oh, c'est terrible. Ah oh non, le comte Lothar vient de mourir. Comte Lothar a rendu l'âme. Il est mort d'une mauvaise grippe à l'âge de 44 ans. Connu pour ses péchés charnels, il trompait en effet souvent sa femme. Mais pas du tout. Mais pas du tout, à moins que je me rappelle pas. Bon. Une mauvaise personne qui paiera pour ses péchés dans l'au-delà. Le comte Caradoc lui succède. Sa nature confiante pourrait octroyer un pouvoir trop grand au conseil. Longue vie à Caradoc, désormais notre comte. Oh là 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 là. C'est terrible. C'est terrible. Oh là là. Bon. De toute façon, vu que c'est ce que je disais, tous les enfants héritent des titres, mais aussi des revendications sur les titres qu'ils n'ont pas. Du coup, notre cher frère Perceval, on va lui latter la tronche, soit comme ça, soit en annulant des titres. Ah bah non, pour annuler des titres, il faut être son supérieur. Oh là là. Bon, on va lui latter la tronche. C'est maintenant. C'est maintenant. Enfin, ça sera dans la prochaine épisode de Casus Belli. Allez, on se retrouve pour la guerre fratricide dans le prochain épisode. À plus, ciao! The power of the dark side.